devriez m'écouter et aller en maison de retraite. J'aime pas les vieux, c'est pas une situation d'avenir. Il est fou, malade du cerveau, malade du cœur. Ah ça, les statistiques sont formelles. Les gens préfèrent mourir vieux, les cons. Oh, le pauvre homme, il ne s'aime pas beaucoup. Il se hait. Il se hait, mademoiselle Barniche. Oui, oui, au point qu'il a porté plainte contre lui. Ça fait 5 ans que je vous montre mon cul tous les jours et j'ai jamais vu le vôtre. Alors, Sylvette, c'est mon infirmière. Mais vous lui ressemblez tellement. Mais à qui? À Isabelle, ma femme. Mais elle est morte. Depuis bien longtemps, votre femme, excusez-moi, mais j'ai d'autres culs à visiter. Il offre une liberté, une fraîcheur, un dynamisme et une jeunesse, parce que c'est un gamin. Oh, un pétroulier, là! Le centre Pompidou qui a rompu ses amarres. D'abord, où allons-nous? Sur les rivages de ma jeunesse. Nous allons monter le courant de ma vie. C'est une espèce de boîte à surprise où vraiment chacun va faire son chemin initiatique. Et sa conscience, on va la voir arriver sur scène aussi, sa conscience. Qui êtes-vous, monsieur? C'est le diable! Oublie-moi, retourne dans ta vieillesse! C'est merveilleux. La mort refuse mes avances. J'ai donc encore un petit mégot d'avenir à fumer. Me voici mes rêves. Me voici mon avenir, adieu. Je vous rejoins. Embrassons. Marin! Si vous croisez Dieu sur les eaux du ciel, dites-lui qu'il me garde une place au port. Et dites-lui aussi qu'il a le souvenir de l'amiral!